Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin. Je vais vous présenter du coup aujourd'hui cette meuleuse sans fil de la marque Airbauer. Dans cette valisette, nous avons la notice, la meule avec sa batterie directement intégrée, le chargeur, une poignée et une protection, je pense, ainsi qu'une clé. Voilà. Donc, la voici de plus près, à peu près à la taille d'un avant-bras. Elle est un peu lourde, mais forcément c'est dû à la batterie. Premier bouton, la batterie. Vous appuyez, vous tirez, et ça vous permet de libérer la batterie. Vous avez un voyant ici, un bouton qui vous indique le niveau de charge. Deuxième bouton, le bouton de démarrage. On peut un peu avoir le coup de main, mais sur celle-là c'est assez facile. Il suffit d'appuyer, de pousser. Et si vous voulez éteindre, vous faites un simple... C'est important que ça puisse vite s'éteindre, parce que des fois, bah, si vous êtes en difficulté, ça vous permet de couper l'appareil rapidement. Autre bouton ici, une vis de serrage de la protection. Et dernier bouton ici, avec un petit ressort. Donc là, c'est le bouton qui va vous permettre de dévisser. Forcément, ça tourne. Donc il faut trouver le cran. Voilà, là je l'ai coincé. Et ensuite, je prends ma clé et je dévisse la vis de serrage. Ce petit truc qui vient se clipper là, cette protection, je pense que ça évite les projections vers l'avant. Moi personnellement, je la trouve pas mal. C'est vrai que sur les chantiers, les fils, c'est un peu galère des fois quand on est sur un escabeau ou autre. La poignée est pas mal, ça se coupe automatiquement. Je vous conseille vraiment ce produit. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt.